Jean Cayrol, ce poète bien connu qui a connu le Père Jacques, dans un des poèmes qu'il a consacré au Père Jacques, l'appelle « pur feu flambant ». Cette image du feu avec le Père Jacques dit quelque chose de lui. C'est quelqu'un qui réchauffe dans la relation humaine. C'est quelqu'un qui éclaire. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui peut brûler. C'est-à-dire que, voilà, il peut nous déranger, il peut nous bousculer dans notre confort intérieur, dans notre confort spirituel. Il a une vie magnifique. Et il a vraiment fait un travail de chrétien, c'est-à-dire qu'il a aimé Dieu jusqu'au bout. Et il a donné vraiment sa vie pour son prochain. Il a vraiment contemplé le mystère de l'incarnation. Pour lui, c'est la vie de Jésus. C'est quelqu'un qui est vraiment donné. Quelqu'un qui a envie de se donner à la fois à Dieu et à la fois aux autres. Et ça, on le voit dès son enfance. Il avait à peu près un an et il était très, très, très malade. Pour les médecins, il était perdu. Pour la famille, il était perdu. C'était le voyage de la dernière chance. Sa mère, dont Pauline, a dit perdu pour perdu, on va à la barre Saint-Germain et puis on essaye d'obtenir le miracle attendu de sa guérison. Ils sont venus à pied ici. Ça représente à peu près une quinzaine de kilomètres. En arrivant, ils étaient à peine arrivés. Le landau s'est mis un peu à bouger. Ils se sont penchés sur le landau. Et l'enfant était rayonnant, souriant et puis vraisemblablement guéri. Quoi. Le miracle a eu lieu. Nous sommes dans l'église Saint-Martin de Barentin, où est né le Père Jacques, et c'est ici qu'il a été baptisé. C'est aussi ici que l'abbé Bunel va baptiser des enfants et que le Père Jacques lui-même viendra baptiser des enfants. Donc, sur le registre de baptême, on a le baptême de Lucien Bunel, on a des baptêmes signés par l'abbé Bunel et on a des baptêmes signés par le Père Jacques de Jésus. Toute son évolution. C'était donc d'abord un Normand, issu d'une famille ouvrière. Il évoquait souvent son enfance, une famille avec 8 enfants. Il y a beaucoup de jovialité, beaucoup de cordialité. Et c'était un climat dans la famille de foi et d'espérance. Lucien appartient à une famille pauvre, on peut dire. Son papa Alfred va changer souvent de travail pour gagner quelques sous de plus. Il va déménager, il est né à Barentin, ils vont partir à Marom, revenir à Barentin. Et quand ils reviennent à Barentin, le papa travaille pour l'usine Badin. Donc M. Badin a construit ses petites maisons pour ses ouvriers. C'est là que, revenant de Marom, va vivre la famille Bunel. Et Lucien va aller à l'école que M. Badin avait construit également pour ses ouvriers. Donc voilà, tout un ensemble, je dirais, un peu patriarcal. C'est la famille Badin qui va payer les études de Lucien quand il sera jeune séminariste. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et Lucien va s'en souvenir, j'allais dire ad vitam aeternam, parce qu'il va noter, quand il sera sous-diacre, qu'il priera les laudes tous les jours aux intentions de la famille Badin. C'est un garçon qui est très intériorisé dès sa plus tendre enfance, qui très vite a le désir de devenir prêtre. Il aimait prier, il aimait aller prendre du temps pour prier silencieusement dans l'église. Oui, c'est vraiment un garçon qui a développé très vite une grande intériorité. Quand il va à l'Eucharistie, quand il va à la messe dominicale, il dit quand il rentre, « Je sentais Dieu ». On entend ce qu'on entendra plus tard, je crois, chez le Père Jacques, c'est-à-dire toujours ce sentiment de la présence de Dieu. Il est très centré sur le Christ. Quand il a 7-8 ans, il fait des sermons à ses frères et sœurs. Et alors, des fois, les frères et sœurs, ils en ont un peu assez et ils s'en vont. Et en fait, dans ce cas-là, il monte dans le grenier, il se met sur une chaise et il fait une homélie. Et alors, sa maman, qui l'entend avec les voisines, et il redescend en disant « Mais il faut bien que je m'entraîne pour plus tard ». Le Père Jacques a vécu 5 ans dans son enfance à Pavilly.
À Pavilly, il y avait un orphelinat qui était accolé à la chapelle des Franciscaines. Et le père Jacques va revenir quand il sera jeune prêtre, prêcher des retraites aux orphelines, avoir des liens avec elles, faire des voyages des orphelines de Pavilly au Havre quand il sera prêtre au Havre, et avoir toute une correspondance avec elles. Le père Jacques entre au séminaire, il a 13 ans. Et en fait, il va très vite découvrir, à l'âge de 16 ans, les extraits d'Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça va être quelque chose de capital dans sa vie. Il se trouve que le 29 avril 1923, Thérèse est béatifiée. Et la ville de Maromme, la paroisse de Maromme, va faire de grandes fêtes avec l'acquisition de cette statue. Et le père Jacques va quitter son séminaire pour venir ici participer aux grandes fêtes en l'honneur de Sainte Thérèse en 1924. Le père Jacques, en lisant Thérèse, va découvrir que finalement, il ne s'agit pas tant de changer les autres que de se changer soi-même. Et donc, je crois que la petite Thérèse va être quelqu'un qui va l'aider à approfondir sa vie spirituelle, à se transformer lui-même, c'est-à-dire à se prendre soi-même comme œuvre à accomplir, et que ça va le garder toute sa vie. Il dira d'ailleurs à Mère Agnès que très souvent, il faisait oraison à partir des textes de Sainte Thérèse. C'est quelqu'un qui a vraiment pris tous les moyens qui étaient à sa disposition lorsqu'il était séminariste pour vraiment étudier la théologie, étudier la spiritualité. Pendant son année de service militaire à Montlignon, il allait chez une dame, la mémé Chalot, comme il l'appelait, qui avait mis une pièce à sa disposition pour qu'il puisse continuer de faire ses études. C'était vraiment une valeur importante pour lui. À Montlignon, il fait cette expérience d'aller faire une visite au Saint-Sacrement, et là, il est saisi par Dieu. Et il dit « Je m'en souviendrai toujours ». Nous sommes juste à côté de l'entrée nord de la collégiale de Montmorency. Et donc, ici se trouvait le château des Montmorency. Et à partir de Guillot, début 16e, les Montmorency ont souhaité avoir leur propre chapelle où leurs membres seront enterrés, surmontés sur les vitraux d'un saint patron qui, à vie, prieront pour le repos de leur âme. Le père Jacques devait apprécier la spiritualité qui se dégage de ce lieu. Il y a une ambiance recueillie et en même temps pleine de grâce. Le père Jacques, séduit par la beauté du lieu, le calme du lieu, venait prier. Il devait s'approcher au plus près du Saint-Sacrement qui se trouvait sur cet autel dont les décorations ont été offertes par les derniers membres de la famille des Montmorency en 1843. Juste avant son ordination sous-diaconale, en 1924, il est dans sa chambre de séminariste et là, il écrit un acte de consécration à la très sainte et très auguste Trinité. Il se donne entièrement à la Trinité et voilà ce qu'il écrit dans cet acte de consécration. Il y faudrait des traits de flamme pour dire mes sentiments ardents. Ô Seigneur, agis-toi même en moi. Un des grands regrets du père Jacques, c'est que juste après son diaconat, on va l'envoyer comme surveillant à l'institution Saint-Joseph du Havre. Et on a de très belles lettres où il manifeste qu'il regrette de ne pas avoir ce temps qui était prévu pour approfondir sa théologie, approfondir sa Bible, approfondir la morale. Et puis le père Jacques termine par ces mots: mais en allant au Havre, je fais la volonté de Dieu et c'est ce qui compte pour moi avant tout. Mon père était l'élève de Lucien Bunel,
à l'institution Saint-Joseph en 1931. Il avait 11 ans à cette époque. Et le souvenir que m'a raconté mon père, c'est aussi de parties de football absolument endiablées. Beaucoup plus tard, c'est lors de son décès et lors du décès de ma mère, nous avons retrouvé des documents dans des archives familiales. J'ai retrouvé une carte postale qui a été écrite par le père Bunel à mon père. Parce que, semble-t-il, il a été souvent reçu dans ma famille et il garde le souvenir très chaud et très doux d'une intimité familiale qui revient souvent dans les lettres. Il parle aussi beaucoup de cœur à cœur. Je trouve qu'il a un regard qui m'interpelle beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. On a l'impression qu'il nous scrute de l'intérieur. Ce qui me touche profondément dans la vie de cet homme, c'est vraiment la grandeur de son âme et son humanité. Sa vie contemplative était absolument nécessaire pour lui, pour faire tout ce qu'il a fait. Comme il est prêtre diocésain, il fait beaucoup de bien. Et en même temps, il veut se donner dans l'oraison et le recueillement et le silence au Seigneur. Et là, il est vraiment divisé. Le maître des novices lui donne ce morceau choisi de Saint Jean de la Croix qui dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu, est plus utile à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les œuvres réunies. » Et en même temps tiraillé par une vocation religieuse, de la pensée à la trappe. Nous sommes à l'abbaye de la Trappe, en Normandie, à l'ouest de Paris, dans les forêts du Perche, donc monastère qui a été fondé en 1140. Donc nous sommes une vieille dame avec une longue histoire, puisque la présence monastique a été ininterrompue depuis la fondation. Et nous nous situons à peu près à une soixantaine de kilomètres de Lisieux, bien connu pour sa sainte et docteur de l'Église, avec laquelle la communauté a créé des liens, puisque les sœurs de Thérèse ont demandé à un frère de notre communauté, le père Barry Bernard, de créer des statues de Thérèse. Et aujourd'hui, les statues qu'on voit diffusées dans le monde entier ont leur origine dans notre monastère. Le père Jacques de Jésus est venu ici en retraite en novembre 1921. Le souvenir qu'il décrit de son arrivée et de sa première soirée et le froid glacial qu'il a ressenti, il a certainement pu trouver dans la vie monastique cistercienne certains absolus et certains radicalismes. Dans les années 20, il fallait s'adapter à un style de vie qui était marqué par une certaine austérité, voire une austérité certaine. Ici, dans les années 20, la communauté vivait en autarcie, avec un domaine agricole important. La vie y était rude. Et puis après, il y a la rudesse du combat spirituel, hein, le seul à seul avec Dieu. Ici, on a coutume de dire qu'on rentre pour un cœur à cœur et qu'en fait, on vit un corps à corps, parce que c'est un peu la lutte de Jacob, en attendant d'être marqué de la bénédiction de Dieu. Il n'y a pratiquement pas d'activité commune aux hôtes, si ce n'est le fait de pouvoir prendre part à la prière chorale. Alors quand le père Jacques est venu ici, la prière chorale était à la tribune de l'église, puisqu'à l'époque il y avait des frères convers, donc la tribune de l'église était devant le chœur des convers, et ensuite il y avait le chœur des choristes. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Purifie-moi, mon Dieu, je serai pur. Lave mon âme, je serai blanc comme la neige. C'est la petite Thérèse. Et la rencontre avec le Carmel du Havre qui va le faire découvrir le Carmel.
La première fois qu'il rencontre Mère Marie-Joseph, la mère prieure, il lui dit son désir de vie religieuse. Christine, je suis frappée de ce que vous avez dans vos archives. Parce que je vois un certain nombre de photos du père Jacques et de son enfance. Ici, il vous envoie une photo quand il a 10 ans. Il prend la peine de vous la commenter. Oui, de fait. Mais il faisait souvent ça avec Mère Marie-Joseph. C'est assez étonnant. Là, il a pris la peine de mettre une croix pour se désigner. Et puis, il lui dit, c'est moi au patronage, à Barentin, quand j'avais 10 ans. Oui, là, il raconte que là, il fait la cuisine avec les scouts. C'est étonnant ce rapport, parce que bon, il y a 240 lettres quasiment qu'il adresse à Mère Marie-Joseph. Il y a un certain nombre de photos. On a l'impression qu'il y a quelque chose comme s'il était un fils de Mère Marie-Joseph. La première fois qu'ils se rencontrent, Mère Marie-Joseph sait, par le curé de la paroisse Sainte-Marie, qu'il pense à la trappe. Et donc, elle va lui dépeindre la vie des Carmes, la vie au Carmel, pour, lui donner le désir de se donner au Seigneur pleinement en étant Carme. J'oserais une comparaison peut-être audacieuse, mais Thérèse d'Avila, quand elle a rencontré un jeune religieux qui s'appelait Jean de Saint-Mathias, elle a senti la force spirituelle de ce jeune et finalement, elle l'a attiré dans sa réforme et c'est devenu Jean de la Croix. Je me dis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression, entre Mère Marie-Joseph, qui avait 57 ans, et puis le jeune abbé Bunel, qui deviendra le père Jacques de Jésus, un carme, comme si lui aussi, comme Jean de la Croix, était enfanté au Carmel par une carmélite. Il va tout quitter, il va entrer au noviciat qui à l'époque était à Lille. Le père Louis de la Trinité, qui était le père maître du noviciat du père Jacques, qui deviendra ensuite son provincial, puis qui sera connu sous le nom d'amiral Georges Thierry d'Argentlieu. Le père Louis de la Trinité va lui donner son nom de religieux, puisqu'on le recevait à l'époque, et il l'appelle père Jacques de Jésus. Alors, il en est à la fois très heureux, parce que de Jésus, et de Jésus, c'est tout le père Jacques. Tout est christocentrique chez le père Jacques. C'est l'incarnation du Verbe dans la personne de Jésus, dans le sein de Marie. C'est quelque chose de très important. Mais il aura quand même cette petite phrase « Je suis content de mon nom de religieux. Je n'ai qu'une petite déception, c'est que la Vierge Marie n'y ait aucune part. » Il avait une très haute idée de l'homme. Parce que pour lui, l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ça qui lui montre la très haute dignité de tout être humain. Il sait voir au-delà des apparences. C'est un regard contemplatif qui était déjà présent avant qu'il n'entre au Carmel, mais qui, avec la lecture des saints du Carmel et la pratique des 2 heures d'oraison quotidienne, va s'approfondir, tout simplement, ça va aiguiser son regard. C'est comme s'il voyait l'invisible, le père Jacques. Ici, nous sommes au Carmel de Pontoise. Il s'agit maintenant du Carmel le plus ancien en France, puisqu'il a été fondé 3 mois après celui de Paris. C'est aussi un Carmel qui s'est rapproché très vite des Pères Carmes, si bien qu'il venait très souvent chez nous. Et en particulier, le Père Jacques est venu la première fois pour participer à une neuvaine avec plusieurs de ses frères. C'était en 1933. Après, il a multiplié ses visites et ses passages ici, ce qui fait que le Père Jacques était quelqu'un de très connu, très aimé, et dont les sœurs profitaient beaucoup de son enseignement parce qu'il était très, très marqué. Enfin, il avait une personnalité très forte qui n'échappait pas aux sœurs. Le silence au Carmel, c'est un silence total et pourtant complètement habité. On dirait que l'âme doit être en plein silence au Carmel pour être un peu le récepteur de la volonté de Dieu à chaque instant, à ne pas passer à côté d'occasions, d'obéir secrètement à ses impulsions. Au noviciat, il va vivre le combat spirituel. C'est-à-dire que tout à coup, tout ce qu'il vivait quand il était prêtre diocésain,
lui remontre dans sa petite cellule. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Il entendait la cour de récréation à côté, ce à quoi il avait tout renoncé. Et l'humour du bon Dieu, c'est que quand il va arriver à Avon, on va le nommer directeur du petit collège qui vient d'être ouvert, alors qu'il n'avait pas fait sa profession solennelle. Il a fait sûrement très profondément la liberté qui vient de Dieu. Je pense que très jeune, il a donné sa vie au Christ. Il a donné sa liberté au Christ. Et puis, on peut, je pense, lire sa vie de prêtre, de frère Carme, comme bénéficiaire de la liberté que Dieu donne et serviteur de cette liberté. Alors, c'est particulièrement visible dans sa pédagogie envers les jeunes du collège d'Avon. C'est là que va commencer le petit collège. Il y avait entre ces deux portes une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puisque le petit collège était dédié à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, il a ouvert le 2 octobre 1934. Très rapidement, le nombre d'élèves augmentant, le père Jacques a décidé d'augmenter ce bâtiment avec la construction en 1936 de la grande aile, ce qu'on appelle nous le bâtiment petit collège. La croissance du nombre d'élèves continuant, le père Jacques en 1939-1940 a décidé de construire en perpendiculaire au bâtiment petit collège une extension dans laquelle il y avait 4 bureaux, une chapelle et une salle d'études. Il va ici développer toute sa pédagogie très renouvelée, très moderne dans les années 30, y compris en disant le but de l'éducation, c'est la sainteté. Ce qui, dans les années 30, était quand même pas évident. On était avant Vatican II, quand même. On avait établi tout le collège sous une forme d'équipe de scouts. Le scoutisme, en fait, il le découvre en 1928, parce qu'il n'a pas été scout lui-même, mais on lui demande d'être aumônier d'une troupe de scouts. Et là, il découvre la pédagogie du scoutisme, la pédagogie de l'engagement, la pédagogie du dépassement de soi-même, la pédagogie de laisser toujours la place à Dieu. Cette articulation qu'il découvre dans le scoutisme lui donne certainement, je dirais, des éléments pour devenir l'éducateur qu'il va être au petit collège d'Avon. Comme professeur, je dois reconnaître qu'il était passionné et il savait nous passionner. Ça a été remarquable comme formation littéraire. Il nous faisait aimer les auteurs, les connaître et tout. Ceux qui n'aimaient pas, il nous les démolissait. Ça, par exemple, Voltaire ou Victor Hugo, je ne sais pas pourquoi, il ne l'aimait pas et ça, il nous l'a démoli. L'auteur principal qu'on avait en seconde, c'était Baudelaire, avec Les Fleurs du Mal. On a étudié ça toute l'année, c'était passionnant. Le petit collège a été ouvert en 1934. Les anciens élèves du petit collège gardent tous le souvenir des causeries spirituelles que pouvait leur faire le père Jacques en fin d'après-midi. Et beaucoup disent que c'était vraiment un moment fort de leur vie d'élève. Ça s'appelait une conférence spirituelle le soir. Enfin, ça ne durait pas longtemps, mais il nous disait toujours des choses très profondes. Il ne s'étendait pas sur des tas de choses, mais c'était toujours très ciblé. Et ça, on aimait beaucoup ça. Nous avons ici sans doute le témoignage le plus émouvant qui nous reste du père Jacques, puisque c'est son Novum Testamentum Latinae, son Nouveau Testament en latin. Un ouvrage qui l'a accompagné depuis 1919 jusqu'à son arrestation. C'est un ouvrage que le père Jacques a énormément travaillé. Il est écrit, annoté en plusieurs couleurs et la lettre aux Hébreux, par exemple, a été énormément travaillée par le père Jacques avec quelque chose de très émouvant puisque au chapitre 9 de la lettre aux Hébreux, il y a cette phrase « Sine sanguinis effugione, non fit remissio ». Et le père Jacques a souligné deux fois cette phrase. Il a écrit un petit commentaire dans la marge et on sait que c'est cette phrase qui va l'inspirer dans le testament spirituel qu'il écrira en mars-avril 1945 au camp de Gusen. La spiritualité carme donne
ces rendez-vous réguliers du face-à-face avec le Seigneur. Et c'est ce face-à-face qui rend libre. Et c'est cette expérience, je pense, qui veut transmettre, en particulier aux plus jeunes, mais aussi à ceux qui l'entourent. Il était bon, foncièrement religieux, et ça rayonnait. Il rayonnait autour de lui, il entraînait. Ça ne se définit pas. C'était vraiment un entraîneur, c'était un chef. C'était un grand, grand éducateur. Il voulait faire de ses enfants des hommes, et j'allais dire déjà par l'exemple de ce que lui était, et puis en leur donnant un certain nombre de directions, enfin de... voilà, il faisait voir large, il faisait voir haut, il faisait voir grand. Une pédagogie de la liberté et du risque. Il faut se risquer pour trouver son propre chemin. Celui qui ne risque pas sa vie, ben, il va nulle part. Et lui-même va prendre le risque puisqu'il va s'engager dans la résistance avec l'accord de son provincial, qui lui-même va faire la même chose. Nous savons qu'il appartenait au réseau Vélit Thermopyles, qui était un réseau très actif de renseignements. J'insiste bien, le père Jacques n'a jamais voulu porter les armes. Hein. Alors, quel type de renseignements donnait-il ? Sans doute, il donnait des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes, parce qu'on sait qu'à un moment donné, dans une lettre, il dit qu'il marche le long de la voie ferrée. Donc sans doute pour repérer des trains qui passent ou pour repérer des convois allemands. Donc il y a toute une part qui est effectivement des renseignements. Il va être résistant en recevant des enfants juifs et en les dispersant dans des familles qu'il connaît. Hein. Malheureusement, il y a les trois enfants qui viendront au petit collège parce qu'il ne trouve personne pour les recevoir. Il va cacher trois enfants juifs, mais en plus il va le dire. Il va le dire aux lycéens, en seconde, première, terminale, en prenant ce risque-là et en disant justement cette fameuse phrase « C'est un risque que nous prenons, mais une vie qui n'est pas risquée ne mérite pas la peine d'être vécue. » Il savait qu'il risquait d'être découvert, puis arrêté. Mais c'est un risque qu'il prend au nom du fait qu'il a donné sa vie déjà. Et donc, il n'a rien à perdre. C'est impossible pour lui de faire autrement. À cause de Jésus, à cause de l'Évangile, à cause de ce prix inestimable que chaque personne a. Il va être dénoncé quasiment un an plus tard, puisqu'il va être arrêté le 15 janvier 1944. Le plus jeune frère de Lucien Bunel, du père Jacques, René Bunel, était professeur au petit collège. Et le 13 janvier 1944, deux jours avant son arrestation, le père Jacques lui fait un petit billet. C'est pas une lettre, puisqu'il va le lui remettre sous sa porte. Et il écrit « Il est fort possible qu'avant peu, des événements très graves se passent à mon sujet. » Si je suis fusillé, et le père Jacques souligne fusillé, réjouissez-vous, car j'aurai réalisé mon idéal, donné ma vie pour ceux qui souffrent. C'est un héros dans son genre, puisqu'il a voulu sauver des enfants au péril de sa vie. Il les a défendus jusqu'au bout. On arrive ici dans la cour où se sont passés les derniers moments de cette journée dramatique, c'est-à-dire le rassemblement de tous les élèves et professeurs dans cette cour et l'intervention de Korff, le chef de la Gestapo. Les trois enfants juifs sont sortis par la porte qui était là, encadrés par des soldats allemands et prenant des coups. Et puis après, le père Jacques est apparu ici, lui aussi encadré par des soldats allemands qui portaient d'ailleurs sa couverture et son bagage. Il a salué de la main et il a dit « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Et il est parti. Les enfants ont tous spontanément applaudi. Et voilà, ça a été le dernier moment où le père Jacques s'est arrêté à la porte pour regarder ses enfants qu'il avait tant aimer et aider. Évidemment, tout devait s'écrouler autour de lui, mais qu'il a gardé quand même la tête haute et il avait quand même l'espoir de revenir. Son attitude dans la cour du collège au moment de son arrestation montre bien à la fois son souci des jeunes
et puis aussi une attitude qui n'est pas voilà, qui n'est pas révoltée, qui est profondément chrétienne. Les Juifs qui étaient là, ils sont partis directement, ils ont été gazés tout de suite. Ce vitrail est une œuvre de M. Guy de Vauguet, artiste peintre, qui a pour caractéristique d'avoir été un ancien élève du Père Jacques au Petit Collège et qui a connu les trois enfants juifs. Et c'est vraiment en hommage au Père Jacques, aux déportés d'Avon et aux trois enfants qu'il a réalisé cette œuvre d'art. Quand il a été emprisonné à Fontainebleau, on a ce témoignage où il dit « Il faut des prêtres dans les prisons, si vous saviez ». Lui n'a pas été torturé, mais il a vu ses compagnons de détention être torturés. Et à partir de là, je crois que quelque chose s'est... Alors j'allais dire à la fois c'est déchiré, à la fois c'est ouvert, et qui va donner la stature, sa stature pleine et entière d'homme donné et de conformité au Christ crucifié et ressuscité. Le 6 mars 1944, le Père Jacques quitte la prison de Fontainebleau et va rejoindre le camp de prisonniers de Compiègne. À son arrivée, comme il est prêtre, on lui remet cette petite valise chapelle à son nom civil, hein, puisque on écrit Bunel et son numéro. Et cette chapelle va contenir ce qui lui permettra de célébrer l'Eucharistie pendant qu'il sera au camp de Compiègne. Nous découvrons ici justement la patène où il offrait l'Eucharistie, le sang du Christ avec ce calice et puis le petit ciboire. Et c'est quand même très émouvant de se dire que dans ce camp de prisonniers, le Père Jacques a célébré la passion, la mort, mais surtout la résurrection du Christ pour donner espoir, confiance à ses compagnons d'arrestation et de détention. Quand il est à Compiègne et qu'il voit toutes les semaines un convoi partir pour un lieu inconnu qui est en fait Neuenbrem, à plusieurs reprises, on a des témoins qui disent que le Père Jacques affirme qu'il voudrait faire partie du convoi pour accompagner ceux qui partent. Nous sommes dans le camp de Mauthausen, qui a été construit en 1938. Ce camp est dans la région de l'Autriche supérieure, tout près de Linz, de Danube. Et ici, vraiment, on est dans la partie pour les déportés, pour les prisonniers. Donc, Père Jacques aussi, il est entré par cette porte-là pour passer ses premières semaines en quarantaine. Les prisonniers, le premier jour, quand ils sont arrivés, ils ont été séparés par santé, donc les plus faibles ont été tout de suite tués et les autres ont passé 2-3 semaines de quarantaine ici, dans une de ces baraques. Et Mauthausen était un peu un camp pour distribuer les prisonniers partout en Autriche. Nous sommes dans une de ces baraques, il y en avait 25 dans cette pièce. Il y avait plein de lits à 2 étages, à 3 étages aussi, pour à peu près 100 personnes, et à la fin jusqu'à 200 personnes. Les lits étaient vraiment très proches l'un de l'autre. Et on mangeait aussi là, ici. Il y a aussi des lieux pour se laver, des toilettes, mais donc la vie, c'était complètement dans cette baraque. Soit dans la baraque, soit au travail, dehors. On dormait peut-être de 10 jusqu'à 4h30, 5h,
parce qu'à 6 heures, le travail commençait déjà. Quand il quitte Mauthausen, la quarantaine, il a fait juste la quarantaine à Mauthausen, quand il quitte la quarantaine pour se rendre à Gusen, le père Jacques fait une prière intérieure en disant « Sainte Thérèse, donnez-moi un signe que vous m'accueillez dans ce camp ». Et en fait, il va être accueilli dans ce camp par M. Henri Boussel, qui lui apporte une petite miche de pain. Et M. Henri Boussel dit « Le père Jacques m'a dit « Vous êtes la réponse que m'envoie Sainte Thérèse ». Tous les soirs, Monsieur Passager, Monsieur Boussel et le père Jacques vont tourner autour de la cour d'appel en récitant l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de la petite Thérèse. Donc, j'allais dire, Thérèse l'a accompagnée vraiment jusqu'au bout. Cette chapelle se trouve à la limite extérieure du camp de Gusen. Le père Jacques et des autres déportés, sur le chemin pour aller travailler, regarder la chapelle. Et le père Jacques conseillait à ceux qui étaient croyants, justement en courant, de jeter furtivement un petit regard à Marie pour qu'elle les soutienne dans leur combat du quotidien. Sind Häftlinge, Häftlinge und arbeiten im Lager. Das war zur Zeit des Pater Jacques vor allem dann eine unterirdisch aufgebaute Flugzeugfabrik, könnte man sagen. Es wurden nicht die ganzen Flugzeuge gebaut, sondern es wurden die Motoren gebaut und Teile von Flugzeugen. Dafür wurde in einem riesengroßen Areal, unterirdisch, ein Fabriksareal aufgebaut. Und dort mussten die Häftlinge und unter anderem auch Pater Jacques arbeiten. Es musste erst diese unterirdische Fabrik errichtet werden. Es mussten Stollen getrieben werden und das alles mit einer minimalen Ausstattung an Maschinen. Das heißt, das war fast alles Handarbeit. Und es sind unvorstellbare Verhältnisse. On est devant l'entrée des tunnels du camp de Gusen. Les nazis ont construit avec les déportés presque 8 km de tunnel dans cette colline-là. Et le père Jacques a travaillé aussi dans ces tunnels. On peut faire le calcul, pour chaque mètre de tunnel, il y a eu un mort parmi les prisonniers, les déportés qui ont travaillé. Der Alltag beginnt um 6 Uhr früh. Und es gibt ein ganz, ganz mageres Frühstück. Man kann das nicht Kaffee nennen, es ist einfach eine Brühe. Und dann geht es zur Arbeit. Und es gibt den ganzen Tag Arbeit und am Abend kehren die Häftlinge in die Baracken zurück und es gibt ein Stück Brot. Und vielleicht noch ein-, zweimal in der Woche noch Rübensuppe oder so etwas dazu. Das heißt, die Ernährungssituation ist katastrophal. Und das führt ja auch dann dazu, dass die Leute so zu Kriegsende dann noch, in der Zeit, in der Pater Jacques dann das Lager verlassen konnte, die Leute in ihrer körperlichen Konstitution so entkräftet sind, dass sie auch gar keine Ernährung zu sich nehmen konnten. So ging das eigentlich von ganz früh morgens bis spät abends. Und am Abend gab es dann vielleicht noch einen Appell, wo dann die Häftlinge auf dem Appellplatz antreten mussten, anstatt Freizeit zu haben. Das heißt, die standen dann vielleicht eine Stunde, standen vielleicht zwei Stunden und konnten dann irgendwann in die Baracke zurückkehren und ein paar Stunden schlafen. Monsieur Auger est sur la place de Mauthausen pendant une séance d'appel. On sait ce que sont les séances d'appel qui durent des heures, où on recompte les prisonniers parce qu'il en manque un et parce qu'un cadavre n'a pas été apporté et on se fait frapper parce qu'on n'est pas aligné, etc. Et dans des conditions aussi horribles, Monsieur Auger va dire au père Jacques en regardant les SS « J'espère qu'on ne les retrouvera pas là-haut, père Jacques ». Et le père Jacques a cette parole, vous n'en savez rien. Ils ne sont peut-être pas responsables de ce qu'ils nous font subir. Et je crois que cette parole dit quelque chose du pardon que le père Jacques a pu donner à ceux qui le faisaient souffrir et qui faisaient souffrir ses frères en humanité. Il ne va pas exclure ses gardiens de cette humanité. Pour lui, il les voit comme des hommes. Un disciple proche du Christ est façonné par son maître et donc
par le pardon de ceux qui le torturent ou le pardon de ceux qui le malmènent. Il va appeler ses compagnons de captivité à tenir haut l'esprit, c'est-à-dire il va essayer de les nourrir avec de la culture, en leur récitant des poèmes. Et il va réintroduire la culture là où on essaie de les déshumaniser. À Gusen, il est avec des jeunes de 17, 18, 19 ans. C'est l'horreur. Il y a des cadavres, il y a de la violence. Et un soir, il les invite à regarder un coucher de soleil pour élever l'esprit. Et puis, le père Jacques, comme le rappellent Jean Cayrol et de nombreux autres, a renoncé parfois à la totalité de sa portion, qu'on sait pourtant extrêmement congrue, parfois à une partie de sa portion, pour que ces jeunes qui étaient en pleine croissance, des jeunes de 16, 17, 18 ans, aient un peu plus à manger. Et Jean Cayrol a cette phrase superbe en disant « c'est sa vie ». Qu'il nous a donné pour que nous puissions vivre. Voilà, une image du Christ qui se donne en nourriture pour les autres dans l'Eucharistie. Et je crois que le père Jacques a été jusque-là. Et c'est sa foi qui l'a emmené jusque-là. Nach der Befreiung aus dem Lager, dort wo er körperlich schon ganz am Ende ist und hier im Krankenhaus eingeliefert wird, noch einmal ausstrahlt und die Schwester, die ihn betreut, ganz offensichtlich sofort ergriffen ist von dieser Person. Und sie wusste auch nicht die Einzelheiten über das Lager, sondern ist ein ganz besonderer Mensch und wir müssen die Erinnerung an ihn behalten. Also das ist eine ganz unfassbare Ausstrahlung, die der Mann buchstäblich bis in die Stunde seines Todes an alle Menschen, die um ihn waren, ausgestrahlt hat. Die Mitschwester, die Schwester Rosa, ein bisschen Französisch sprechen können, aber er war schon so geschwächt, er hatte ganz hohes Fieber gehabt und er ist auch im Fieberdelir, also dass nicht viel möglich war und er war wirklich schon in einem sehr, sehr schlechten Allgemeinzustand. Laut Krankenblatt ist er an beidseitiger Lungenentzündung und einfach an geschwächten Allgemeinzustand verstorben. Das würde schon erzählen, dass er sehr ergeben gestorben ist. Und unversöhnt, glaube ich, kann man nicht so ergeben. Bei uns gibt es ja viele Führungen im Haus, kommen immer wieder Schulklassen und führen auch durch den historischen Teil des Klosters. Und es ist immer, auch wenn ich persönlich Führungen mache, ich erwähne immer das Zimmer, oder auch meine Mitschwester, Schwester Rosa, erwähnt es immer, dass das Sterbezimmer ist von Pater Jacques Bonnel. Bis Ende der 70er Jahre war das nun. Hier waren hier nur Krankenzimmer untergebracht, aber mit dem Neubau, mit dem Zubau des Krankenhauses ist er dann das Krankenhaus vom Klostergebäude sozusagen in den Neubauten übersiedelt. Und das ist nicht mehr. Meine Mutter ist sie war dazu mal schon 80, aber eigentlich hat noch sehr gern gelebt und so, und ist aber dann schwer erkrankt, ist an Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt. Man weiß von einem Non-Hodgkin-Lymphom, dass das nicht heilbar ist. Und in dieser Situation, weil ich einfach gemerkt habe, meine Mutter möchte noch so gern leben und so, dann ist mir das Bildchen in die Hände gefallen mit dem Gebet zum Pater Jacques Bonnel auf seine Fürsprache hin. Unendlich, gütiger Vater, du hast Pater Jacques seit seiner Kindheit ein großes Verlangen geschenkt, alle Menschen mit ganzem Herzen zu lieben. Du hast ihn mit den Fähigkeiten der Erziehung junger Menschen ausgestattet. Du hast ihn zum Priester erwählt und in den Karmelitenorden berufen. Inmitten der unmenschlich tiefen Not der Konzentrationslager hast du ihn zum leuchtenden Zeugen des Glaubens, der Liebe bis hin zur Aufopferung seines Lebens bestimmt. Gewähre mir durch seine Fürsprache die Gnade, um die ich dich bitte, und verherrliche ihn in deiner Kirche nach deinem Willen durch unseren Erlöser Jesus Christus. Amen. Das Gebet wirklich Tag für Tag mit der Intention gebetet, es möge meiner Mutter noch eine gute Lebenszeit geschenkt werden. Und
ja, das ist auch so eingetroffen. Ich persönlich, da kann man darüber natürlich diskutieren oder streiten, also ich persönlich schreibe das da schon deinem fürbittenden Gebet zu. Ceux qui l'ont connu, ceux qui ont goûté son témoignage, je les vois profondément attachés, reconnaissants. De manière individuelle, j'ai posé la question, est-ce que ça vous arrive de le prier? Et la réponse a été pour moi très éclairante. Chacun m'a dit oui. Des membres de sa famille, des anciens élèves, certains me disant qu'ils le priaient chaque jour. Il y avait comme une évidence que c'était un saint, c'était un proche de Dieu, c'était quelqu'un qui s'était laissé saisir par Dieu. Le testament spirituel du Père Jacques, les trois phrases qu'il va mettre sur le carnet d'un de ses compagnons de déportation à Gusen en mars 1945. Il lui écrit « Per crucem alducem, sine sanguine non fit redemptio, qui fecit veritatem venit alducem ». Alors, « Per crucem alducem », c'est tout le mystère pascal, c'est-à-dire « par la croix vers la lumière ». La croix existe, mais la croix n'est qu'un chemin vers la résurrection, vers la lumière. Ensuite, effectivement, il cite un extrait du chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Hein, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption ». Et là, évidemment, il fait allusion à notre participation à la croix du Christ et à ce que ça va aussi nous coûter à nous, comme sang, comme sueur, comme souffrance. Hein. Et puis, il a cette phrase magistrale, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Le Père Jacques, s'il a un enseignement à nous donner, c'est effectivement d'être des êtres de vérité. Avant, on a son corps ici, donc c'est un lieu de mémoire qu'on cherche davantage à honorer. Nous avons un cimetière qui contient 22 corps de frères, avec bien évidemment le Père Jacques que nous avons rapporté de l'INSA en 1945. L'État d'Israël va décerner au Père Jacques le titre de juste parmi les nations. Il obtiendra le diplôme le 17 avril 1985 avec la médaille qui va avec ce diplôme. Et c'est en fait le 9 juin 1985 que le consul général d'Israël va venir à Avon remettre solennellement ce diplôme et cette médaille au Père Jacques en le donnant à la communauté des frères Carmes d'Avon. Du 27 mars au 3 avril 1988, la communauté israélite de Fontainebleau-Avon, la mémoire pour la Shoah et la mairie d'Avon et les frères Carmes vont organiser en fait un voyage en Israël pour honorer la mémoire des deux justes parmi les nations que sont Rémy du Moncel, le maire d'Avon, et le Père Jacques de Jésus. Et à cette occasion, la sœur d'un des trois enfants, Anselmut Michel, va planter l'arbre en souvenir du Père Jacques, un pin qui est aujourd'hui assez resplendissant. Dans les jardins de Yad Vashem, le lieu de mémoire de tout ce qui s'est passé pour la déportation. Et j'ai la mémoire d'y avoir été avec mon épouse et mes deux enfants qui à l'époque avaient 9 et 10 ans. Ils s'en souviennent et je pense que ça les a marqués aussi. Ils sont quand même conscients de tout ce qui s'est passé pendant cette période alors qu'ils sont nés presque 30 ans plus tard. Pour la cathédrale Saint-Étienne, j'ai fait réaliser l'icône de Saint-Étienne avec les quelques saints, puisque notre diocèse a la chance d'avoir beaucoup de saints depuis des siècles et des siècles. Et puis, comme vous pouvez voir, j'ai laissé des cases vides où on pourra ajouter les saints que l'Église va reconnaître. Et pour moi, c'est évident que dans quelques années, il y aura le Père Jacques qui sera dessiné sur cette icône. Son histoire est utile pour montrer de quoi des hommes sont capables. D'un côté, on a les nazis et le pire aspect de ce que peut donner l'humanité, et d'autre côté, on a le meilleur. Que la parole du Père Jacques peut encore résonner, peut encore éclairer, peut encore réchauffer, peut encore guider des hommes et des femmes de notre temps. Je crois que c'est quelqu'un qui montre
ce que c'est qu'être un homme dans l'adversité. Et il me semble important que l'Église puisse reconnaître que c'est un homme exemplaire, un homme qui s'est laissé façonner par la bonté de Dieu, sa miséricorde. C'est un homme donné, livré, par amour de Jésus, pour tous.